du Cœur, c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour le ch'ti belge. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ces véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et au cas où tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran en haut à droite, ou tu la retrouveras aussi avec le lien en cliquant sur le plus qui est en dessous de la vidéo. Comme ça, tu connaîtras les spécificités de cette chaîne. Et oui, elle est différenciante. Il y a quelques mois de cela, je t'ai fait visiter les chaînes d'assemblage de l'usine Notin. Si tu ne l'as pas encore vue, tu la retrouveras dans la playlist qui est consacrée à ce constructeur. Et aussi sous la vidéo, évidemment. Mais depuis, il y a eu quelques changements. Et c'est ce que je vais te montrer de suite. Donc comme je te l'expliquais, je vais te montrer les changements qu'il y a eu. Et en réalité, globalement, ce sont les... Il y a 5 postes ici, en plus du contrôle. Avant, tout se faisait sur la même place, comme tu peux le voir dans la vidéo que j'avais réalisée à l'époque. Et ici, ils ont mis ça sur une chaîne. Il faut savoir qu'ils vendent un peu plus de 50 Excel l'année, c'est quand même des véhicules haut de gamme. Et je te montre les différents postes. Ici, je retourne la caméra comme ça tu le vois, on est sur le poste où quelque part on va déjà assembler tout ce qui arrive. Je vais me rapprocher comme ça tu vas un peu voir l'intérieur. Voilà, tu vois, regarde, là tu vois l'isolation. C'est quand même intéressant. Voilà, ici on assemble les choses. C'est la première étape. On met les câbles, on met l'électricité, les câbles, l'électricité, logique. Il y a aussi tout ce qui est sanitaire. Voilà, c'est un peu bizarre de voir un véhicule comme ça. Et tu vois, ça c'est un siège autrement inconfortable que ce que tu as quand tu roules avec. En tout cas, ici, c'est la première étape. Et tu vois là, tu as le store qui est déjà mis, un store électrique. Voilà, toujours intéressant de voir ça, moi j'aime bien. Ici c'est tout ce qui est cuisine, tu vois, avec, regarde, toutes les glissières et tout ça, tu ne te tracasseras pas. Hein, voilà, je te dis, c'est du fait main, hein, regarde, voilà. Ça c'est, allez, je vais faire le tour, donc ça tu vas voir les deux côtés, tu vois le nombre de câbles qu'il y a à regrouper. Hein. Là c'est pour tes bonbonnes de gaz, et c'est bien quand même de voir, c'est un Excel hein, ça. Ici c'est ton chauffage, hein, tu vois juste dans le bloc, derrière le bloc cuisine, voilà, c'est pas mal. Donc ça on est au premier poste, ça c'est le tout premier poste. Maintenant on passe au deuxième poste où là c'est plus la carrosserie, je prends un peu de recul comme ça tu vois l'espace, voilà, tu vois ici évidemment on met les parois, c'est vraiment tout ce qui est carrosserie. Alors là évidemment tu vas pas avoir grand chose si ce n'est évidemment la carrosserie. Mais je vais quand même faire le tour, donc ça tu vas voir. Hein? Et ça tu vois, c'est une spécificité vraiment à Notin, cet arceau de sécurité. C'est vraiment... c'est pour ça que certains disent que la tête du Notin Excel et Liner est un peu différente. Moi j'ai envie de dire différente, mais moi je préfère ça, y avoir de la sécurité. Et en plus moi je trouve qu'il lui donne un look qui est différent de ce qu'on voit en général. Voilà. Tu vois encore à l'intérieur tous les câblages qui arrivent, etc. Il y a du boulot. Et tu vois là au-dessus, là, tu vois l'épaisseur du toit. Donc, hein, j'ai envie de dire, on est pas mal quand même. Hein. Voilà. Bon, allez, je finis le tour. T'as pas encore les carreaux. regarde l'épaisseur des parois. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein. Voilà, comme ça, tu vois un peu tout. Pardon, c'est un Liner, celui-ci, c'est pas un Excel. Un Liner, je me dis, c'est un grand Excel, celui-là. Oui, c'est le plus grand. Il me semble bien, merci. Donc, je rectifie, hein. Il me semble bien, il est tellement immense, regarde-les. Eh bien, c'est le Liner. Et en fait, le Liner, lui, une fois qu'il a fini ici, il va se retrouver sur le côté là. Et là, on va, plutôt que de faire avancer étape par étape, tout le reste va se retrouver là-dessus. Il bougera encore une fois pour l'étape de contrôle de qualité, mais sinon, voilà. Et le contrôle de qualité, on va y aller un peu plus loin.
Et alors ici, évidemment, c'est les finitions, tu vois. On met les portes, on fixe tout ce qui est éclairage, le câblage. Tu vois, il y a du monde sur un Excel, hein. Tu vois, et c'est une... Alors, l'idée que je t'expliquais avec l'arceau, tu le retrouves ici, hein, tu vois. C'est tout à fait la même chose que le liner, sauf qu'il est plus petit, donc. Mais sinon, c'est la même chose. Tu vois. Voilà, donc ça, tu as l'occasion de voir un peu comment ça se passe. Et là, on est déjà loin, hein, parce que tu as déjà les meubles qui sont dedans. Tu as même déjà la cafetière, l'Nespresso. Donc, tu vois, et là, c'est pour ton frigo. Voilà, allez, on passe au poste suivant. Ce poste-ci, tu vois, il n'y a pas encore de véhicule qui est là, mais c'est le poste où on va mettre les feutres dans la soute, sur les marches. On va apporter tous des éléments un peu plus fins. On va poser les réservoirs, on va finaliser les raccords sur le chauffage. On va mettre les bas de caisse qui ne sont pas encore mis. Voilà, c'est plutôt de la finition. Et puis, on a encore un dernier élément qui se trouve ici. Voilà, et ici, en fait, sur ce poste-ci, tu ne vois rien, mais tu t'imagines, il est là. Hein. Eh bien, c'est, on va contrôler tout ce qui est finition au niveau de l'électricité, du sanitaire, etc. Et une fois que ce dernier poste est arrivé, on se retrouve sur le tout dernier poste qui est là. Et en fait, comme je te l'explique dans mes vidéos, ici, tous les véhicules qui sortent de la chaîne sont pesés. Et donc, tu connais le poids du véhicule. Ce n'est pas comme chez certains où c'est un peu à l'avenant. Et puis, tu te retrouves avec des problèmes pour la Belgique quand tu passes au contrôle de autosécurité et pour la France quand tu te fais contrôler sur l'autoroute pour le poids. Voilà. Et ici, c'est un dernier contrôle où c'est une personne qui s'appelle Laurence qui s'en occupe et elle fait bien ça. C'est le dernier maillon de la chaîne qui contrôle que tout soit bien fait. Voilà, écoute, je reprends, je te remontre moi. Me voilà. Là, je voulais absolument te montrer les quelques changements qu'il y a eu. Pour le reste, pour tout ce qui est les autres chaînes, etc., il suffit que tu ailles voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, qui est toujours d'actualité, évidemment. Allez, on conclut tout de suite après. Si tu veux savoir à l'avance de l'endroit où je filme ou encore quelle vidéo sort quand, consulte mon agenda sur le site lepetitmarcel.eu. Et t'abonner à mon Instagram et à Facebook, c'est être informé des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements ou encore de vivre en direct les vidéos que je tourne. Les informations sont sous la vidéo, évidemment. Et si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais entre nous, si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.